CE plus T est actif dans le domaine des télécommunications et dans les industries où le besoin de sécurité d'alimentation électrique est important. Nous avons une centaine de personnes sur le site ici de Wandre et une bonne soixantaine réparties dans le monde, principalement dans les usines de fabrication en Inde, en Chine et aux États-Unis. Donc nous faisons des convertisseurs de courant qui puisent l'énergie dans les batteries, qui est un des moyens les plus classiques de stocker l'énergie électrique, et qui transforme cette énergie en une énergie utilisable, c'est-à-dire généralement des courants alternatifs en 230 volts ou en 130 volts pour les marchés américains. Les besoins en recherche et développement sont très importants dans la société. Ils sont déjà couverts par nos efforts propres et par des aides de recherche et développement. Pour le prototyping, c'est quelque chose d'un peu plus particulier parce que nous avons aussi beaucoup d'efforts à faire pour industrialiser, pour commercialiser, pour faire les dernières phases avant la vente d'un produit, et c'est là que l'aide au prototyping nous est bien utile. Nous avons utilisé cette aide au prototyping pour le développement d'un module onduleur de 20 kW, c'est-à-dire de puissance beaucoup plus importante que ce que nous avions l'habitude de faire, et qui est destiné à l'heure aux télécommunications par exemple à la signalisation ferroviaire, où les besoins de puissance sont plus élevés que ce que nous avions dans le passé. Donc il s'agit d'un module comme ce modèle-ci, de 20 kW. Ces modules sont triphasés, alors que précédemment, notre gamme de produits était essentiellement monophasée.